Allez mes blagues, j'espère que vous avez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va débriefer ces 6 premiers mois, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 5 mois, bref. Cette première partie de saison lyonnaise. Ouais, j'étais en train de regarder West Ham Bromwich Arsenal. Ça m'a donné l'idée de faire ça, de voir un match avec de l'intensité. Et on va parler de l'intensité lyonnaise. Voilà, donc on va tout de suite voir tout ce que je vous ai préparé. Mettez un maximum de likes, c'est comme d'habitude. Et on regarde ça tout de suite. José a été un peu fatigué, là, avait de la flemme de sortir des vidéos, a sauté plein de débriefs de l'OL. Mais ça revient, on va faire plein de vidéos, on va faire de la première ligue, de la Serie A, en attendant le retour de la Coupe de France. Bien évidemment qu'on débriefera, peut-être, je sais pas, on verra, mon village, si j'ai le temps de regarder le match, il est télévisé, on débriefera peut-être le match de mon village, le club de mon village, bref, voilà. Vous verrez quel club ça sera, si on peut le faire autrement. Bref, voilà. Allez, tout de suite, on commence. Donc, on va regarder ses stats globales. Pourquoi pas faire un panneau sur les stats globales. Donc, Lyon a joué 25 matchs, donc 18 de Ligue 1, parce qu'il y a un match en retard, 6 de Ligue des Champions, je les ai sous les yeux, mes panneaux. Ne croyez pas, 1 de Coupe de la Ligue, et voilà. Donc, ça fait un total de 25 matchs. Bon, Lyon, dans tous ses matchs, a concédé 45 buts. A mis 45 buts, pardon, 45 buts pour, 34 contre, concédé 34. C'est fait une différence de buts, toute compétition confondue, de plus 11. Voilà. Donc en Ligue 1, il y a eu quand même 4 défaites, 5 nuls et 9 victoires. Ce qui est pas normal en 18 matchs. Voilà, Lyon doit avoir, au mieux de ses 4 défaites, peut-être une à la rigueur. Mais voilà, 12 victoires, 5 nuls. Franchement, voilà, même pas les nuls, ça fait un peu trop 5 nuls. Voilà, en Ligue des Champions, par contre, c'est parfait, ils sont invaincus. Avec un nul et 5, avec une victoire et 5 nuls. Bon, bref, ils auraient pu avoir 6 victoires hein, au total. S'ils auraient pas. Il y a 2 matchs face à Hoffenheim où ils jouent au con, ils sont égalisés à la dernière minute. Excusez-moi pour les mots que je viens de dire. Un non-match sur les 60 premières minutes face au Shakhtar à l'aller. Face à City à la maison, ils menaient 2 fois, ils se sont fait rejoindre 2 fois 2 minutes après. Et au retour face au Shakhtar, beaucoup d'occasions ratées. Donc voilà. En Coupe de la Ligue, bah, c'est la seule et une victoire, hein, ce qui leur permet d'être dans ce quart de finale où ils recevront Strasbourg début janvier, mi-janvier plutôt. Donc voilà pour les statistiques globales, donc quand même bon pas mal, hein, plus 11 de différence de but, toute compétition confondue, bon, on devrait être à plus 20, plus 25 avec l'attaque qu'ils ont, et même une défense qui devrait à mon avis plus tenir, enfin c'est pas normal, il y a quand même de la qualité, Marcelo c'est pas un défenseur pas bon quand il veut, il est super fort, Denayer c'est pareil, avec la défense à 3 ça va un peu mieux, avec Marcel repositionné dans l'axe c'est mieux, mais voilà, ça pourrait faire mieux, même Tété... quand l'autre fois était repositionné en lâche en Coupe de la Ligue, tu te prends 2 buts en 5 minutes, dans les 10 dernières minutes, c'est pas normal quoi. Voilà, tu t'es trop relâché à 3-0. On ne sait jamais, ça aurait pu revenir quand même. Heureusement, ils ont eu chaud, mais heureusement pour eux, et pour moi en tant que supporter lyonnais, ils ne sont pas revenus. Bref, avec pour continuer, on va regarder les stats à Lyon, Groupama Stadium, toute compétition confondue. C'est 13 matchs, 10 en Ligue 1. Avec 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, voilà, 2 défaites de trop. Voilà, à la maison, tu dois être imbattable, bref, c'est un impartiable à la maison. Voilà, tu dois perdre aucun match, et même 2 nuls, tu dois gagner tous tes matchs, à part en Coupe d'Europe. Je vous ai dit, ou même des matchs de Coupe, à la rigueur, si tu fais des prolongations et des tirs au but. En Coupe de France, le directeur au but en Coupe de la Ligue, voilà, c'est pas grave parce que c'est la magie de la Coupe. Mais en championnat, voilà, en Ligue des Champions, ils ont fait 3 nuls. Ils auraient pu avoir 3 victoires au total, comme je vous l'ai dit, s'ils n'auraient pas joué au compte. Donc il y a des 23 buts pour, 13 buts contre, voilà. À chaque match à la maison, quand même, la stat est toute compétition confondue, ils ont quand même encaissé en moyenne à chaque match à la maison un but. Voilà, 13 matchs, 13 buts concédés. S'il fait une différence de but de plus 9, là aussi, tu dois être à plus 30 ou plus 35. C'est pour la même chose pour la défense et pour l'attaque. Enfin voilà. Ce qui est pas normal. Donc après, il y aura à l'extérieur 12 matchs joués. 8 de Ligue 1 avec 3 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Bon, les 3 nuls, ok, mais les 2 défaites, ils auraient pu les éviter. Bon,
ils auraient pu les éviter. Bon, celle au Parc des Princes, on peut la transformer en nulle parce que 5-0, ils ont pris une débâcle, mais c'est quand même dans les 20-30 dernières minutes. Autrement, ils ont bien tenu. Il y a eu des faits de jeu, on va pas y revenir dessus. Je sais plus, non, j'avais pas briefé le match parce que je voulais, j'allais trop m'énerver autrement. Il y a eu des faits de jeu, il y a eu du rôle à la fin, on n'y croyait plus. Bref, voilà. On va pas y revenir dessus. Ok, celle-ci peut-être au bon. Alors, s'ils perdent, c'est pas grave ce match, mais l'autre défaite, elle c'est face je sais plus. Bref, je m'en rappelle plus quel match c'était. Face à Reims, au début d'année, tu dois pas perdre à Reims, je suis désolé. Bon, voilà. En Ligue des Champions, c'est 3 matchs. Et oui, c'est la seule victoire. Elle a été à l'extérieur, elle a été dans le plus gros de la poule. Hein. Manchester City à l'Etihad Stadium. 2 nuls. Aussi, ça aurait pu faire 2 victoires. Hein. Enfin, franchement. Une fois tu te fais revenir à la dernière seconde, l'autre fois tu domines, tu tires je sais pas combien de fois la taille, quasi 11 fois en première période, j'ai retenu ce truc, cette stat, et tu gagnes pas. En Coupe de la Ligue, bah voilà, le match était à l'extérieur, donc ça fait une victoire. Mais voilà pour les matchs à l'extérieur, donc maintenant on peut regarder les statistiques joueurs. Voilà, ça s'affiche avec bon, les deux joueurs les plus prolifiques avec Memphis, avec 22 matchs pour Memphis, 6 buts. 11 passes décisifs, ça fait du coup 17 fois décisif en 22 matchs, un peu moins d'un match, mais c'est pas un peu moins d'une fois décisif en 1,2, 1,3 matchs, tous les 1,2, 1,3 matchs à peu près, ça doit être ça. J'ai regardé à peu près, et à voir si 19 matchs, 6 buts, 4 passes décisifs, donc une fois décisif tous les deux matchs, c'est quand même pas mal. Il y a mieux, on peut faire mieux côté Lyonnais avec le potentiel qu'il y a, mais voilà, ce qui n'est pas normal, c'est qu'Awar est le meilleur et le co-meilleur buteur Lyonnais cette saison, toute compétition confondue. Bien évidemment, ces stats, c'est toute compétition confondue. Donc oui, on va y revenir par exemple sur ce truc à l'extérieur, ça fait une différence de plus 2, avec de différence de but, 23 buts pour 21 contre, voilà, tu dois être à plus... 15 buts, tu vois, je vois bien que tu presses 15 buts et que voilà, tu dois remarquer 30-35 avec la qualité qu'il y a à l'OL, c'est tout. Pour ces stats, je n'avais pas préparé plus, mais on peut peut-être ajouter quelques trucs, c'est satisfaisant, il y a mieux à faire. Il y a des joueurs bon, comme Dembélé qui n'a pas réussi à se mettre dans le bain, Nabil Fekir non plus, ça commence maintenant, là ça a commencé juste avant la trêve, mais voilà. Donc en plus on pourra jeter Lyon et 3ème de Ligue 1 avec 32 points, c'est pas mal, un match de retard, mais il y en a plein, donc pratiquement tout le monde a des matchs de retard à part Lille, c'est un des seuls clubs, il y en a un deuxième, c'est Angers, autrement tout le monde a des matchs, non attendez, j'ai dit des bêtises, il y en a Strasbourg, Reims, Lille et... Et quand j'ai regardé la mauvaise année, excusez-moi, qui n'ont aucun match de retard. Lyon en quart de finale de la Coupe de la Ligue, Lyon en huitième de finale de la Ligue des Champions. Donc c'est très satisfaisant, je le redis une fois encore. Bon, voilà. Lyon est aussi premier au classement des tribunes, donc des ambiances en Ligue 1. C'est annexe, mais voilà, c'est juste pour relire un peu. Bizarrement, 9ème pelouse de Ligue 1, pas plus. Oui, il y a eu ces petits incidents au début d'année où le jardinier du PSG a amélioré la pelouse lyonnaise, mais voilà, pas grand chose à dire d'autre. Au Barça, je vous le rappelle, on va aller voir ce match, le choc. L'OL a tiré le Barça, on va en débriefer ça, c'est le tirage, un peu on verra, enfin, un juste prono. Donc. Je vois que l'attaque lyonnaise peut faire mieux, la défense lyonnaise peut mieux défendre. Petite info, les supporters lyonnais ont voté que Lopez était le meilleur joueur de l'OL en 2018. Voilà pour la petite info. Petite info mercato, avec Victor Herrera, ils seraient prêts à baisser largement leur prix et seraient d'accord les deux parties. À savoir le joueur, parce que comme il a enfin un contrat, le milieu mexicain de Porto là, cet été, bah, il voudrait récupérer un petit pécule, nos amis portugais. Voilà, on verra bien ces infos mercato, on en reparle dans une prochaine vidéo. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. Je vous dis, Kishel Pelé, à la prochaine.